Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle journée de Ligue 1 Conforama. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Alors tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage de ce système, c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. Alors que vous découvrez la composition du Stade Rennais, c'est donc un 4-5-1 classique que l'on va retrouver dans cette formation. On densifie le milieu pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu, mais aussi pour placer un contre. Un but venu d'ailleurs pour les Espagnols à la 120e minute de jeu. Rabiot. Kylian Mbappé. Giovanni Lo Celso. Le tir, la parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Edinson Cavani. Edinson Cavani qui va pouvoir être libre de s'enfoncer sur le côté. Kylian Mbappé. Attention à la frappe. On récupère ce ballon dans l'entrejeu. Attention, ça peut être dangereux. Il André. La frappe. Oh là 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 là, ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. Allez, peut-être une bonne occasion. Ouais, le bon ballon en profondeur de Cavani. Jadon Draxler. Oh là 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 là, quelle occasion. Il est dépossédé du ballon. L'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match, où les buts manquent cruellement, hein, 0-0 pour le moment. L'arbitre qui peut donner le coup d'envoi de cette seconde période ici au Parc des Princes. Ah, c'est bien joué, hein, il faut savoir résister à la pression de l'adversaire. Ah, elle a du potentiel, ça. Ah, c'est bien joué, ça. Le gardien qui préserve toujours sa cage inviolée dans ce match. On en reste à 0-0. Cavani. Oui, attention. Une tête qui n'inquiète pas trop le gardien. Ça siffle dans les tribunes avec cette passe en retrait. Ah, les deux équipes se sont vraiment rendues coup pour coup, mais elles restent à égalité au bout de ces 90 minutes.